Salut à tous, c'est Roman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 5 façons d'utiliser un looper. Donc si vous êtes débutant ou intermédiaire, il y a forcément une des façons qu'on va voir avec laquelle vous n'êtes peut-être pas familier. Donc c'est parti, le menu du jour. Je prends mes petites notes pour rien oublier. Donc tout le matériel que je vais utiliser sera dans la description de la vidéo, mais tout de suite, je peux vous dire que je n'utiliserai pas un vrai looper en tant que tel, comme dirait l'autre, mais en fait un delay de la marque Strymon, un timeline en fait. Voilà. C'est un looper qui peut faire 30 secondes en fait. Voilà, c'est une fonction de ce délai-là qui fait 30 secondes. Voilà, donc les 5 façons d'utiliser le looper. La première, c'est créer l'illusion d'un groupe. La deuxième, c'est le volet improvisation ou pratique d'un thème. Troisièmement, ça va être plutôt de la composition, chercher à composer des accords par-dessus une mélodie ou l'inverse. Ensuite, on va voir plutôt un aspect modal des choses en faisant un drone en fait, une note pédale par-dessus laquelle on testera deux modes différents, bien avec des couleurs bien différentes quoi en fait. Hein, donc on verra ça en quatrième phase. Et enfin, cinquième phase, on fera plutôt un truc genre sound design. Donc si vous avez du mal à caler vos loops rythmiquement, ça sera très très bien pour vous, pour vous familiariser avec vos petites fonctions de looper déjà de base, en faisant des textures sonores, et puis ça pourra vous servir dans vos productions, que sais-je, vos enregistrements, vos vidéos, vos documentaires, enfin tout ce que vous voulez quoi. Voilà, je présume quand même que vous savez au moins utiliser les fonctions enregistrer, stop et bien sûr mettre en boucle de votre machine. Si c'est pas le cas, bien sûr, allez voir ça sur YouTube, il y a de très très bonnes vidéos sur ce genre de contenu-là. Quelques fonctions dont on parlera pas, puisque moi je les ai pas programmées dans mon switcher, c'est la fonction undo, redo et également les fonctions avancées style reverse ou ce genre de choses. Voilà. Pour ce premier exemple, on va regarder Shape of You de Ed Sheeran. Ok, donc c'est un loop de deux mesures dans lequel vous avez quatre accords. On va les passer en revue. Donc Do dièse mineur et Fa dièse mineur pour la première mesure. La et Si dans la deuxième. Au niveau de la mélodie, c'est pas bien compliqué. On se retrouve avec ça. 3, 4. Et si vous voulez improviser, Do dièse mineur pentatonique fera très bien l'affaire. Alors, désolé pour ma voix complètement éclatée, j'ai chopé la crève et j'ai pris pas mal de retard sur le tournage de la vidéo, donc je me suis dit que j'allais faire quand même aujourd'hui un peu de tournage, donc m'en voulez pas pour ça. J'ai quand même amélioré un petit peu le setup, la guitare est vraiment toute propre, toute belle, nouvelle corde et tout. Polish, huile de citron et compagnie, donc c'était pour compenser un peu ma voix éclatée quoi. Allez, on passe au deuxième exemple qui va nous amener trois pistes cette fois-ci et l'illusion d'un groupe un petit peu plus prononcé. Ok, donc pour ce deuxième exemple, on a trois pistes cette fois-ci. Une ligne de basse que j'ai faite en micro-manche, en coupant la tonalité, et en jouant plutôt au pouce, un peu muté, de façon à avoir un effet un petit peu plus contrebasse ou basse un peu. Bien que j'utilise une guitare.
La ligne de basse, je vous la fais au ralenti, un peu comme ça. Et ça boucle ici, hein. Donc. Hop, et ça boucle là. Les accords maintenant. Donc c'est un 2-5-1. Enfin non, un 2-5 de ré bémol majeur, mais on le joue jamais en fait. Donc c'est un mi bémol mineur septième et un la bémol 7. Et jouer plutôt comme ça, 3, 4... Vous voyez ? Et après au niveau de la mélodie, on suit le chant en fait, hein, tout simplement. Donc en fait je joue vraiment sur les deux petites cordes et je suis la mélodie du chant en faisant des petits intervalles en fait. Et déjà quand vous commencez à jouer avec les combinaisons de micro, la tonalité et éventuellement les volumes, déjà ça peut donner quelque chose d'un petit peu surprenant à un seul instrument en fait. Donc là on commence vraiment je pense à toucher du doigt ce qui est intéressant avec le looper dans le contexte, disons, création de l'illusion d'un groupe entier, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est pas seulement votre partie de guitare, c'est aussi comment elle se place avec les autres instruments. Et peut-être que en jouant avec le looper, vous allez devenir finalement un meilleur musicien, un meilleur arrangeur, pas forcément avec votre niveau de guitare, mais juste par le fait que la conscience que vous allez développer avec la partie des autres en fait. Qu'est-ce que les autres y jouent en fait, et quel espace il va vous rester aussi à vous à la guitare pour que tout ça fitte ensemble et que ça fasse une ligne mélodique sympa et pas une bataille d'ego de chacun avec le bassiste qui envoie du gros slap, le guitariste qui est en tapping alors qu'on est sur le couplet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée quoi. Apprendre des lignes de basse et les rejouer à la guitare, bah, ça aide aussi à mieux comprendre ce qui se passe et à mieux se placer rythmiquement sur ce que les autres vont faire, quoi. Et après, si vous avez un clavier aussi qui joue avec vous, c'est pareil, hein. On sait que souvent, c'est difficile de faire matcher la guitare et le clavier, à moins que ces deux instrumentistes se connaissent un petit peu et jouent en bonne intelligence, on va dire, quoi. Donc voilà, faire du loop, c'est aussi ça, devenir un meilleur arrangeur, quelque part un meilleur musicien, avoir une meilleure oreille, mieux comprendre ce que les autres jouent aussi, peut-être pour mieux vous placer à votre tour, quoi, en fait. Voilà. Ok, admettons maintenant que vous connaissez un enchaînement harmonique, une grille d'accords, et que vous essayez de caler le thème dessus. Donc là, je vais prendre For Sephora, qui est un super standard de jazz du trio Rosenberg. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter la version Jazz à Vienne 2009. Allez, j'essaie d'enregistrer ça sans me planter et de vous faire le thème par-dessus. Je vais attendre le tour entier pour placer le thème.
voilà, un petit exemple de ce que ça pourrait donner quand vous travaillez un thème. C'est une fonction du looper qui peut vous être très 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 utile, puisque à vous tout seul, vous pouvez générer l'accompagnement et sans dépendre d'un backing track de YouTube, ce qui est plutôt cool, quoi. Allez, ça peut servir aussi un petit loop à essayer de vous entraîner à improviser et à placer vos plans, vous planter comme je viens de le faire un petit peu et puis essayer de placer des lignes mélodiques, peut-être que vous avez réfléchi un peu à l'avance et ça vous permettra peut-être de, ouais, de mieux caler vos lignes mélodiques, je pense, quoi. Donc un looper, c'est aussi ça. Je tourne un peu le micro avant que je parte en Larsen. C'est ça, hein, c'est aussi un super moyen d'improviser. Je me souviens un petit peu quand les loopers étaient un peu moins disponibles ou en tout cas très très chers dans les magasins de musique, etc. Moi, j'avais beaucoup de mal à entendre les différentes couleurs qu'on pouvait mettre en fait par le choix des notes. Même en prenant que la gamme pentatonique, si vous avez une progression d'accords avec des familles d'accords qui vont changer, la même note va changer de fonction en fait. Hein, c'est-à-dire que la même note n'aura pas la même valeur sur tel ou tel accord dans la progression. Et ça, c'est quand même assez difficile de s'en rendre compte si on ne peut pas isoler un petit peu les accords. Chose que je pense que vous ne faites pas trop avec un backing track. Hein. J'adore, moi, personnellement, il y a des tas de très bonnes chaînes où il y a des super backings. C'est de mieux en mieux. Enfin, c'est super et ça fait plaisir de pouvoir débouler un peu le manche, la pinta là-dessus. C'est génial. Hein. Mais des fois, c'est bien aussi de se restreindre et de, à la limite, de créer un backing track un petit peu moins, moins bien produit, voilà, avec le bass-bat qui groove à mort, le clavier qui se place juste comme il faut pour que vous puissiez mettre tous vos plans de pinta. Voilà. Moi, je sais qu'avec un petit looper de 30 secondes, je suis obligé de réfléchir un peu à comment je vais travailler ma séquence, comment je vais placer mes plans, et finalement, ça m'aide à pas trop... à ce que le backing track fasse pas trop de boulot pour moi aussi, quoi, en fait. Ça, je m'en rends compte de petit à petit, là, en fait, que le moins je travaille sur un backing track, le mieux c'est pour moi, en fait, finalement. J'arrivais pas trop à comprendre ça. Au début, j'avais pas accès au backing track et j'aurais espéré avoir ça. Et maintenant que c'est à profusion de backing track, je m'en éloigne et je comprends mieux les gens qui conseillent ça, d'ailleurs, maintenant, quoi. Donc, bon, ça veut pas dire qu'il faut... faut boycotter les backing tracks non plus, quoi, hein, bien sûr, voilà, quoi. Mais faites votre boulot d'abord dans votre session de pratique, et puis ensuite, une fois que vous avez bien travaillé, que vous êtes bien content de vous, bah là, vous vous lâchez, vous mettez un bon petit backing track de Sébastien Juninho ou je sais pas qui, et vous déboulez votre pinta et vous voyez un petit peu comment vos plans vont peut-être aussi mieux se cadrer, quoi, par rapport à ce backing là, quoi. Voilà. Allez, vous en avez marre de votre gamme pentatonique mineur de mi? Je suis sûr que vous essayez de sortir un peu des box et tout ça, et que vous essayez peut-être de travailler des modes, et vous avez du mal à entendre les couleurs. Donc je vais vous faire un petit truc qui marche bien pour entendre les couleurs. Donc en fait, je vais faire une note pédale en mi, juste un mi plusieurs fois sur la guitare. Alors je vais utiliser de la reverb et tout ça pour faire comme un drone et tout, mais vous pourriez faire juste... ça marcherait très bien aussi, hein, pour entendre les couleurs. Donc, qu'est-ce que je mets comme son? Voilà, un truc un peu comme ça. Je reviens sur mon looper. Ah oui, alors là, je vous donne un petit tips aussi que j'ai trouvé sur... que j'avais trouvé un peu par moi-même, mais que j'ai vu aussi
aborder sur le net, c'est de faire un loop vide. Puisque là, en fait, on ne va pas s'amuser à faire quelque chose de rythmique, mais c'est juste pour l'oreille, pour entendre les couleurs. Ceci étant dit, on va quand même compter un peu et faire une boucle vide, genre d'à peu près 2 mesures, environ comme ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1. Donc là, je suis déjà en mode de overdub sur un looper. Mais bien sûr, comme j'ai rien enregistré, on n'entend que dalle. Donc ça veut dire que j'ai la liberté de faire des swells, par exemple, en mi, pour remplir ma boucle et me faire un petit drone, en fait, quoi. Donc on va faire ça. Voilà, là j'entends la première boucle finalement. Puis je vais l'exagérer un petit peu en fait. Éventuellement je me mets en micro-manche. Comme ça, tout ce que je vais faire là sera pas enregistré. Donc admettons que vous êtes familier avec vos box de pentatonique mineure. Oh, faut peut-être que je remette ma pédale de volume sinon... Donc, je pense que vous êtes familier avec ça. Peut-être que vous essayez d'apporter dans votre jeu des nouvelles couleurs. Donc là, je vais vous proposer 2 couleurs qui sont complètement différentes de la penta, mais qui vont avoir quand même un rapport avec le mi, de façon à ce qu'on puisse bien entendre justement la différence des intervalles qui composent ces différents modes-là. Donc le premier mode qu'on va essayer d'étudier rapidement, c'est peut-être le mode de mi, mais dorien cette fois-ci. Donc le mode dorien, c'est un mode mineur. Il ressemble étrangement à la gamme mineure naturelle que sûrement vous connaissez. Je peux la jouer ici si vous voulez en case 12. En 3 notes par corde. Si maintenant je le veux dorien, ce mi, c'est exactement le même mode. Il y a une note qui va changer, c'est que la sixte, elle va être majeure. Dans le même secteur, je vous montre un peu la position. Et en fait là on se rend bien compte que c'est pas du tout la même couleur. Alors comment arriver à jouer un petit peu ce mode là très rapidement ailleurs sans forcément connaître toutes les positions et tout? Vous pouvez penser par dérivation. C'est-à-dire que si je joue mi dorien avec cette sixte majeure là, ça veut dire que je suis dans le réservoir de notes, on pourrait dire, de ré majeur. Donc ré majeur lui-même a un relatif mineur qui est si mineur pentatonique. Donc ça veut dire que je peux aussi jouer la gamme de si mineur penta pour faire ressortir peut-être un peu du dorien. C'est pas la même couleur que mi mineur penta. Mi mineur penta, ça fait... Et si mineur penta... Ah, c'est pas du tout la même couleur. Et là, on peut explorer un peu tout ça.
c'est magnifique. Donc, explorer un petit peu, peut-être par dérivation au début, pour pouvoir entendre les différentes couleurs, quoi. Donc, je vous rappelle, j'ai utilisé en fait le réservoir de notes de la gamme de Ré majeur pour faire ressortir quelque part le mode de Mi dorien. Mais vous faire attention, parce qu'il ne faut pas que j'articule mes phrases autour de Ré, puisque le pôle c'est Mi en fait, hein, la maison c'est Mi maintenant. Mais c'est vrai que le réservoir de notes c'est le même que Ré majeur. Donc attention, penser en dérivation, ça sera pas non plus la solution à tout. C'est juste un petit truc qui peut marcher un temps, mais vous verrez que ça marchera pas trop longtemps non plus, je vous préviens, c'est pas non plus magique. Mais au moins ça vous permet de discerner les couleurs, quoi. Un petit coup encore de Mi mineur penta et de Mi dorien. J'ai mis que un Mi derrière, et ben en fait j'ai le choix éventuellement des 6 autres notes que je veux développer, donc c'est comme un espèce de travail modal avec un point de vue modal sur le Mi, c'est à dire que tous les modes vont commencer par Mi par exemple, mais ils vont être tous différents, et c'est pour ça qu'on va bien entendre la spécificité de chacun, la différence de chacun. Passons maintenant à un autre mode qui n'a rien à voir, mais toujours avec ce Mi en background, donc admettons le lydien par exemple, Mi lydien, un peu mystique là ce mode. Donc j'ai ma fondamentale, seconde majeure, A. Déjà la tierce majeure là, vu qu'on avait le Mi mineur dans la tête là, même s'il était dorien, c'était quand même mineur, il y avait une tierce mineure. C'est pas la même chose que... Eh oui, on entend bien la différence du coup grâce au Mi qui est statique. Votre oreille, vous faites juste un background, c'est pas rythmique, il n'y a pas besoin de savoir bien caler un loop, faites une note pédale en Mi ou ce que vous voulez, et vous essayez de développer au moins deux modes qui sont différents. Je vous conseille un mode mineur, un mode majeur, comme ça vous entendrez bien la différence déjà entre la tierce majeure, la tierce mineure, et puis éventuellement les notes qui peuvent changer dans ce mode là, quoi. Sur du Mi lydien. Donc si on devait penser par dérivation comme tout à l'heure, ce serait comme le réservoir de notes de La majeur en fait. Ok. De Si majeur, pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui voilà, de Si majeur, pardon. Majeur comme réservoir, j'aurais fait Mi mixolydien, pardon. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop penser en dérivation, parce que ça peut faire des confusions assez rapides d'ailleurs, mais ça peut vous aider à entendre des couleurs rapidement. Donc réservoir de notes de Si majeur. Comme ça. Et là tout de suite on entend vraiment la différence, quoi.
voilà, essayez de vous amuser un petit peu avec un drone, deux modes différents et éventuellement la pensée en dérivation avec le réservoir de notes de la gamme relative en question, quoi. Pour finir, j'aimerais vous adresser quelques petits conseils sur l'utilisation technique de votre instrument et de votre looper. Donc encore une fois, peu importe la machine, par expérience, j'ai remarqué que si vous mettez tout à fond dès le début, en général, vous avez besoin de baisser votre loop pour pouvoir faire votre mélodie ou votre solo après dessus, quoi, ou éventuellement même chanter, quoi. Donc gardez un petit peu de réserve au début, utilisez les combinaisons de micros. Et quand vous faites les loops avec une ligne de basse, des accords, éventuellement une mélodie, je vous suggère de commencer d'abord par la basse, ensuite par l'accompagnement et de finir par la mélodie. Comme ça, vous aurez a priori que très peu de réajustements à faire sur le volume du loop global, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé un petit peu à trouver des façons d'utiliser le looper que peut-être vous n'avez pas forcément imaginé ou que vous n'avez pas encore testé. C'est un peu un condensé de ma propre expérience à moi. En aucun cas, je dis que c'est tout ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est mes meilleurs conseils, on va dire, du moment par rapport au looper. En ce qui concerne la dernière partie, sound design, etc., je vous renvoie à l'intro de la vidéo qui était quand même assez longue, dans laquelle vous avez un petit peu dans les sous-titres qui s'affichent en même temps que je loupe tout ce que j'ai pu utiliser. Et j'ai gardé un peu ce principe-là un petit peu. J'ai commencé par des triades avec un délai à l'accroche pointée stéréo. J'ai enchaîné après avec une basse en passant sur le micro-manche, en coupant la tonalité et en faisant des swells de basse, hein, comme un pad un petit peu. Ensuite, je suis parti, je crois, sur un délai un peu pitché à l'octave, comme si j'avais un octaveur, un POG ou un truc comme ça. C'est une fonction du timeline que j'ai, c'est le ICE setting, pour ceux qui seraient éventuellement les heureux possesseurs d'un timeline ou d'un délai qui peut faire des pitchs un petit peu dans les répétitions. Donc j'ai pitché à l'octave et puis pareil, fait des swells. Et je crois qu'après, j'ai juste pris une reverb un petit peu ambiante et un délai type délai digital, donc n'importe quel délai ferait l'affaire, pour faire des petites mélodies de 9e sur les accords que j'avais utilisés. Donc je vous donne quand même peut-être les accords, ouais, je peux au moins vous donner ça quand même. Je crois que j'avais pris Si mineur, La majeur et Sol, deux mesures chacun. Donc c'est un loop de 6 mesures, et j'avais commencé à faire un délai en... Ouais, l'accroche pointée un petit peu à la U2 là, et je crois que c'était ce preset là. Ouais, et j'avais fait... Donc vraiment, j'étouffe un petit peu à la main droite, en palmute, et je fais des triades comme ça. Là. En suivant la progression. Ensuite, je suis repassé sur le micro-manche et j'ai coupé la tonalité. J'ai fait des swells avec un preset de reverb un peu comme ça, je crois. Pour le ICE setting, je crois que j'avais quelque chose comme ça. Laissez-moi me souvenir. Le 5B, je crois, ouais, c'est ça. Et là, en fait, l'idée, c'était de faire des swells aussi sur les triades. Mais on entend comme s'il y avait un clavier qui mettait à l'octave ce que vous jouez, quoi. Ça, c'est chouette quand même. Normalement, je me mets plutôt en micro splitté. Mineur, pardon, celui-là. Pas facile de voir des fois avec le micro ce que je fais, c'est presque gênant. Et la mélodie en 9e, c'était donc du coup... en gros, je prenais ça, quoi.
j'enlevais la tierce de l'accord et je mettais la neuvième à l'aigu avec le petit doigt à chaque fois. Et après pour le lead, je crois que c'était ce preset là. Ou là, ouais, on peut éventuellement après. Faire un petit solo après par-dessus, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo sera suffisamment longue pour vous avoir donné quelques petits tips, quelques petites astuces sur le délai. Encore désolé pour la voix complètement en vracos, mais je crois qu'un de mes élèves a dû me refiler sa crève, je sais pas lequel, mais ouais, j'avais pris tellement de retard sur la vidéo que je me suis dit qu'il fallait quand même que je tourne aujourd'hui, donc tant pis pour la voix en vrac, et j'espère que je vous aurai quand même donné quelques infos utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo.